Nous avons visité le château d'If d'une manière un peu différente. Elle a été très spéciale parce que c'était une visite virtuelle avec un guide touristique qui s'appelait Grégory. Nous avons visité le château comme si on était sur place. Oui, c'était super. Grégory était là-bas et Olga en classe devant l'ordinateur. Il nous a fait vraiment voyager. Nous avons visité les salles du château. On va à droite, à gauche. C'était génial parce qu'avant la visite, nous avons découvert Alexandre Dumas et le comte de Monte Cristo. Et tous, on voulait savoir où a-t-il été enfermé. C'était tellement bien fait que nous pouvons voir les graffitis des prisonniers. Pour moi, c'était mieux que ce que j'avais imaginé. Je croyais qu'on allait nous ennuyer, mais pas du tout. La visite a duré 1h30. On ne l'a pas trouvé très long. Grégory nous a raconté plein d'anecdotes et des histoires intéressantes. Grégory nous posait des questions, mais nous aussi, on pouvait lui poser des questions. Il répondait en direct. C'était super. Quand on est arrivé en haut du donjon, on écoutait les cris des mouettes et le bruit du vent. C'était super. Mais le seul problème, c'est que maintenant tous, nous voulons aller à visiter le château d'If en vrai. Merci.